La deuxième édition du Forum communal des jeunes de Ratoma mobilise les jeunes des 34 quartiers de cette municipalité de la capitale et les autorités autour du thème « Jeunesse, industrie culturelle et créative ». Pendant 3 jours, la jeunesse de Ratoma va davantage acquérir des connaissances dans son épanouissement en matière de création et de recherche d'emploi. L'initiative est venue de la direction communale de la jeunesse et des sports, dont à sa tête Ibrahima Souri Sako. Ce forum, financé par Action Éducation, à travers le projet Compétences pour Demain, CPD, initié par la direction communale de la jeunesse et des sports, est un espace d'échange entre les spécialistes de jeunes entrepreneurs en devenir ou débutants. Elle constituera une belle opportunité pour apprendre d'autres pratiques, partager les compétences et les valeurs. L'ONG Action et Éducation est l'un des partenaires financiers du Forum communal des jeunes de Ratoma. Son représentant, Tierno Siré Barry, a expliqué les raisons pour lesquelles sa structure apporte son appui à l'organisation de la deuxième édition de ce forum. Action et Éducation a soutenu ce forum pour 2 raisons essentielles. D'abord, parce que c'est l'idée de la commune. C'est l'idée des jeunes de la commune, c'est l'idée de la direction communale de la jeunesse. Deuxièmement, c'est parce que c'est une action qui permet de mettre en valeur, de montrer une autre face de cette jeunesse de Ratoma, qui est souvent perçue, à tort ou à raison, comme une jeunesse violente, instrumentalisable. Donc, à travers ce forum, on veut montrer, mettre en lumière cette face de la jeunesse de Ratoma qui est créatrice, innovante, qui a un potentiel entrepreneur élevé. Le ministre de la Jeunesse, Lansana Bea Diallo, a présidé l'ouverture de ce forum. Il a réitéré l'engagement de son département à accompagner de telles initiatives. Je peux rassurer encore du soutien de mon département à tout mettre en œuvre afin de promouvoir les métiers du secteur des industries culturelles et créatives, non seulement à travers mon département, mais évidemment en partenariat avec mon collègue ministre de la Culture, M. Bill De Sam, qui n'est pas ici aujourd'hui, mais qui s'excuse, mais qui est représenté par son secrétaire général. Chers jeunes, j'inscris solennellement le directeur communal de la jeunesse et des sports de remonter le rapport de cette activité au niveau de mon cabinet et vous rassure que je m'engagerai personnellement à faciliter le suivi des engagements pour une meilleure mise en œuvre des recommandations issues de ce forum. Chers jeunes de Ratoma, ce rendez-vous est désormais le vôtre. Profitez au maximum pour développer l'esprit d'apprentissage, de réseautage, d'échange et surtout de développer l'esprit de paix et de renforcement de la cohésion sociale dans la commune de Ratoma. Les recommandations issues du rapport de la deuxième édition du Forum communal des jeunes de Ratoma seront dans les prochains jours déposées sur la table des autorités de la transition.